Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler, en fait, comme vous l'avez vu, de l'évolution en fait des tarifs des produits de la savonnerie au 1er janvier 2021. Donc, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis très longtemps, depuis mars 2020, parce que forcément, avec un petit peu de recul depuis l'ouverture de la savonnerie en 2018, forcément, on fait des bilans. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est indispensable à l'heure actuelle pour suivre l'aventure et pour continuer à vous proposer des produits tels que je vous les propose, toujours de la meilleure qualité, et que ce soit dans les ingrédients et dans la finition du produit, dans son design, comme vous pouvez le voir si vous connaissez déjà mes produits. Alors déjà, je voulais tout de suite rassurer les clients de la savonnerie. Si vous avez déjà passé une fois commande sur le site de la savonnerie, rien ne change pour vous, à part peut-être quelques centimes. Je vous expliquerai donc tout de suite après. Il n'y aura pas d'augmentation de tarif pour les clients qui auront déjà passé leur première commande. Et vous avez pour ça jusqu'au 31 décembre 2020 pour passer votre première commande et donc conserver les tarifs que vous verrez actuellement sur le site, comme je vous le disais, à quelques centimes près. Tout simplement parce que j'estime que je suis extrêmement reconnaissante de tous les gens qui m'ont déjà commandé en fait dès l'ouverture de la savonnerie ou depuis ces 2 ans, qui m'ont fait confiance. Parce que c'est grâce à ces personnes-là si aujourd'hui on peut continuer l'aventure. Parce que vous savez très bien qu'une entreprise, notamment au bout de 2 ans, 3 ans, c'est une période quand même assez charnière. Donc si aujourd'hui j'en suis là, nous en sommes là ensemble et cette savonnerie se développe, c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces personnes qui depuis 2 ans me soutiennent donc, et qui passent commande. Donc déjà, ça me paraît tout à fait normal que si vous avez passé au moins une commande, vous conserviez les tarifs. Vous serez mes clients VIP. Et donc déjà, tout ça, en fait, pour vous, n'ayez crainte, rien ne changera. Ensuite, concernant les autres, vous avez de toute façon jusqu'à 31 décembre 2020, si vous regardez cette vidéo avant la fin de l'année 2020, pour passer votre première commande et faire partie donc de ces clients privilégiés. Donc, concernant cette augmentation, évidemment, c'est normal de vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà parce que, comme je vous le disais, en fait, moi je souhaite conserver la qualité et continuer à fabriquer des produits de haute qualité, même de m'améliorer encore et encore pour vous offrir des savons et des produits qui soient de plus en plus qualitatifs, que ce soit le design, le packaging, les ingrédients, etc. Donc moi j'ai vraiment envie de tirer en fait la savonnerie vers le haut, de faire de mieux en mieux, de vous proposer des choses de plus en plus belles, de plus en plus différentes, de faire des nouveautés, de faire des choses comme ça. Et donc c'est comme ça que je vois l'avenir en 2021 et puis les années suivantes. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de continuer à produire en petite série. Parce que, évidemment, il y aura forcément une évolution où il faudra augmenter quand même un petit peu les quantités ou le nombre de productions. Mais parce que forcément, il y a un moment donné, quand une marque se développe, elle fabrique plus, évidemment. Mais de toujours fabriquer dans des petites quantités. Moi, quand vous voyez un grand moule de savon, c'est 85 savons, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas beaucoup. Parce que forcément, chaque production demande beaucoup de temps. Il y a ce que vous voyez en 10 minutes dans une vidéo. En fait, moi, ça, déjà, rien que la fabrication me prend à peu près 2 heures. Après, il y a le découpage qui me reprend 1h30, 2 heures avec le tamponnage, etc. En plus, après, je reprends le savon et ça me prend encore des heures. Donc, en fait, 85 savons, ça demande des heures de travail. Donc multiplié par tous les autres produits, par tous les autres articles, etc. C'est énormément de travail. Donc je tiens à préciser quand même que cette augmentation, elle se fera uniquement sur les produits que je fabrique à la savonnerie. Donc pour tous les accessoires, pour tout le reste des articles que je propose, il n'y aura pas de changement, c'est simplement moi ce que je fabrique à la savonnerie. Donc les savons, les baumes, les shampoings, etc. Et ce qui sera amené à voir le jour. Donc, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir
privilégier et continuer à faire uniquement de la vente directe, donc c'est-à-dire de vous, enfin de moi à vous, en direct pour vous assurer bah, encore une fois la meilleure qualité, la meilleure fraîcheur des produits, voilà, tout le conseil qui va avec et tout le service qui va avec également. Donc ça c'est hyper important pour moi de ne pas avoir d'intermédiaire et de vous assurer encore une fois bah, le meilleur produit chez vous. Le troisième point, c'est un des plus importants hein, au final, hein, qui motive ce changement-là, c'est de pouvoir assurer la rentabilité de l'entreprise et de pouvoir la développer. Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, une personne toute seule qui doit tout faire arrive à ses limites de temps, d'énergie, de tout ça. Et effectivement, il y a un moment donné où, en fait, où on sent qu'on a besoin de se développer, c'est-à-dire agrandir, trouver un local plus grand, agrandir, embaucher quelqu'un. Moi, c'est ce que je veux depuis le début, en fait, c'est-à-dire pas rester toute seule toute ma vie dans ma savonnerie, mais pouvoir aussi procurer un emploi à quelqu'un qui aimera, j'espère, tout autant que moi, ce que je fais. Donc, et tout ça, effectivement, il faut que derrière, comme vous pouvez l'imaginer, ça coûte très cher. Donc déjà pouvoir assurer la rentabilité au quotidien, le développement et pour pouvoir voir des savons Flo la savonnerie un petit peu plus partout et de pouvoir développer ma belle marque que j'ai créée tout simplement. L'autre chose, c'est que je pense qu'il était nécessaire aujourd'hui d'ajuster mes prix au prix du marché, tout simplement. Quand j'ai lancé, il n'y avait pas encore beaucoup de savonneries qui faisaient le type de produit que je fais. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mieux que les autres ou ils sont si extraordinaires que ça, hein, je n'ai pas cette prétention. Simplement, c'est vrai que des savons marbrés, comme je fais, ou des savons qui ont la finition que j'ai, que j'apporte, le soin que j'apporte, ça demande énormément de temps, encore une fois, ça demande beaucoup de travail, ça coûte cher en termes de matières premières. Quand on ne commande pas à la tonne ces matières premières, ça coûte cher. Mais il n'y a pas que les matières premières, hein, y a les emballages, il y a tout. Et donc je pense qu'à l'heure actuelle, quand je vois ce qui se fait sur le marché, il est clair qu'il y a quand même une incohérence en termes de prix. Et c'est pas logique à l'heure actuelle d'avoir des produits qui ont la qualité qu'ont mes produits et qui soient beaucoup moins chers que des produits de qualité au moins équivalente. Donc voilà, c'est une question aussi d'être cohérent avec le marché parce qu'il n'y a pas de raison en fait qu'ils valent moins que les autres. Voilà, tout à fait, tout simplement. Donc c'est pour toutes ces raisons, toutes ces raisons que cette augmentation a bien été réfléchie. Autant, évidemment, de toute manière, c'est vrai que depuis 2 ans, il n'y a eu absolument aucun changement de tarif sur les produits. Donc de toute manière, c'est effectivement dans l'ordre des choses aussi. Mais là, c'est vraiment une mise à niveau. Après ça, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait d'évolution prévue. Enfin, on en reparlera dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, mais c'est effectivement pas le but de faire ça tous les 4 matins, hein, on est bien d'accord. C'est quelque chose qui se réfléchit bien. Et donc voilà. Donc j'espère que vous comprendrez tout ce que j'ai pu vous expliquer. N'hésitez pas à retourner voir la dernière vidéo que j'ai faite justement par rapport aux revendeurs. Je pense que ça explique aussi beaucoup de choses sur ma philosophie et ma façon de voir les choses aujourd'hui. Et pour tous les membres, enfin tous les clients qui ont déjà passé commande, qui auront déjà passé commande au 31 décembre, vous recevrez dès le 1er janvier un email donc qui vous expliquera comment ça se passe. Et tout simplement, vous aurez un code personnel qui vous permettra d'avoir à vie les tarifs que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.